être attentif. On va y aller dans quelques instants. Hein. On déclenchera notre chronomètre un petit. Allez, on va se régaler. C'est exceptionnel ce qui nous attend. C'est le prix de Bourgogne. Troisième marche donc vers le Grand Prix d'Amérique avec le crack Ready Cash qui va essayer de rejoindre Ourasi. La voiture qui accélère et voilà, c'est parti. Ready Cash est parti très vite, Olivier. Ouais, il fallait s'y attendre, hein. C'est un bon démarreur. Franck Nivar ne veut pas se laisser enfermer. Royal Dream est très bien parti. Ready Cash à son intérieur. Menmoisas tout à l'extérieur. Numéro 6 également. The Best Manric qui est très très bien parti. Ready Cash qui reste pour l'instant en tête et Royal Dream eh bien, qui ne cherche pas à lui prendre l'avantage. On pensait qu'on serait parti beaucoup plus vite. Il y aura Bococo. Il y a plusieurs concurrents qui se sont montrés fautifs. Le 15 Texas Charm est également. Et le 4 aussi. Au galop et Save the Quick. Donc trois trotteurs qui sont pratiquement en course et Ready Cash qui est en tête d'en bas de la descente. Un scénario que l'on n'avait peut-être pas prévu. Il reste meilleur en courant caché Ready Cash, mais pour l'instant il y a des circonstances de course en ont dicté autrement. Et voilà l'attaque à l'extérieur du numéro 8 Menmoisas avec Sébastien Arnaud qui va tenter de rejoindre en tête de la course. Ready Cash va peut-être même prendre l'avantage ce numéro 8 Menmoisas. Ready Cash va donc se retrouver en deuxième position. Troisième place pour le numéro 6 The Best Madrid qui pour l'instant très bien placé, tout comme le numéro 5 hein, Royal Dream qui se retrouve en quatrième position le long de la corde. Et puis Timoko, le numéro 2 Olivier, se retrouve maintenant cinquième. Et un peloton décimé par les disqualifications, numéro 4, 15, 7 et 16 qui ont été disqualifiés. Ready Cash qui n'a pas voulu rester dans le sillage de Menmoisas et qui s'est décalé au début de la montée. The Best Madrid qui est désormais en troisième position avec à ses côtés, côté corde, Royal Dream. Et puis Timoko qui est assez bien passé. La petite Roxane Griff qui trotte sur une troisième ligne à l'extérieur. On est à 1,7,2 de l'arrivée. 1,7,2 pour les premiers 1500 mètres. 1,8,5 maintenant, Olivier. On est parti vraiment sur un rythme d'enfer avec le crack. Ready Cash qui a l'avantage à son extérieur. The Best Madrid commence à lui mettre la pression en deuxième position, mais il est déjà sollicité par son partenaire. Troisième place le long de la corde. Pour le numéro 8 Menmoisas qui passionne pour l'instant, tout comme le numéro 2 Timoko qui vient en quatrième position. Attention aussi à Roxane Griff, la championne Olivier, qui se rapproche et qui vient maintenant à l'extérieur. Et il est facile pour l'instant Ready Cash, mais il va être attaqué maintenant par Timoko le numéro 2, par Roxane Griff qui commence à passer à l'offensive. Attention à Thiago Détang, également un outsider qui semble avoir pas mal de ressources. Il est au petit trop Olivier, j'ai l'impression Ready Cash, non? Il semble contrôler pour l'instant facilement. Il semble contrôler les opérations. On est à 600 mètres de l'arrivée. On aborde le tournant final avec Timoko qui met une petite pression sur Ready Cash qui va facile. Roxane Griff, Menmoisas qui viennent ensuite devant Thiago Détang, The Best Madrid et Royal Dream côté. Ça sent bon pour Ready Cash. Il s'approche peut-être d'Ourasi dans quelques instants. En tout cas, il a toujours facilement l'avantage dans ce prix de Bourgogne. Timoko lui met la pression. Il vient en deuxième position. Troisième place, le long d'accord pour le numéro 8, Menmoisas avec à l'extérieur Roxane Griff qui va tenter de très bien finir le numéro 1. Attention aussi à Thiago Détang qui est maintenant lancé à l'extérieur par Christian Bijou. La dernière ligne droite, Olivier. Il faut repartir pour Ready Cash, ce qu'il fait. Allez, parfaitement maintenant. Il repart maintenant. Il a nettement l'avantage à la ligne droite. Menmoisas qui s'accroche. Timoko s'accroche. On notera également que Royal Dream tente de bien finir. Roxane Griff et Thiago Détang tout à l'extérieur. Ça vient vite. Mais il va s'imposer quand même le numéro 1. Il va s'imposer Ready Cash. Ah, c'est pas sûr. Si, si, il va garder la voiture. Oui, il a gardé. Oh, damné, extraordinaire. Royal Dream, Timoko et également le numéro 17, Thiago Détang, qui s'est remarquablement comporté. QWERTY devant se contenter de la 5 et passe. Oui, car il n'a pas eu le parcours sur mesure. Aujourd'hui, on sait qu'il reste meilleur en courant caché. Aujourd'hui, eh bien, il s'est imposé en patron puisqu'il a mené, il a contré plusieurs attaques et il résiste d'un petit museau. J'ai l'impression, en étant face le poteau, j'ai l'impression qu'en direct, il s'est imposé quand même. Il y aura photographie quand même. Timoko est un remarquable troisième. Thiago Détang également quatrième. C'est très bien comporté à 85 contre 1. Et c'est QWERTY qui prend donc la 5 et passe. On est peut-être allé un peu vite en besogne. J'ai eu l'impression qu'il s'était imposé, qu'il avait gardé un peu dans l'expectative là tout de même. Hein. Bon, allez, tout de suite la réaction de Thierry Duvaldestin avec José. On ne sait pas s'il a gagné, José. Thierry.